à l'université, le labo qui était juste au-dessus du mien, qui était un labo lié aux poissons, il y avait un type qui s'appelait Jean-Paul Alès. On dit la copain, bien évidemment. Et on se dit, bah, finalement, pourquoi on ne créerait pas un petit truc? Et puis, avec l'argent de l'entrée, on mettrait deux, trois petits aquariums, on ferait un petit bassin avec des phoques à l'intérieur. Et puis, avec l'argent des entrées, on achèterait des sardines, parce que tout ça, ça coûtait cher quand même. C'est comme ça qu'est né Océanopolis. On imaginait à l'époque 80 000 entrées sur un équipement comme ça. Et on disait, la science n'attire pas. Et on est à Brest. Et la première année, c'est 700 000, je ne sais pas comment on a fait, 700 000 entrées. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, 700 000.